بكم إلى السياحة، حيث تعد الصحراء الجزائرية من المكتسبات السياحية التي تزخر بها الجزائر، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار عامل الأمن والاستقرار، يقول إبراهيم برقاش ونصر الدين خليفي. يعتبر عامل الأمن والاستقرار أكثر من ضروري بالنسبة لشخص يريد قضاء عطلة في الصحراء الجزائرية التي أصبحت اليوم في مصاف الصحاري الآمنة في العالم العربي. Et qu'on a vraiment des mauvais échos, la sécurité, etc. Alors que c'est pas du tout le cas et qu'il y a beaucoup de touristes et c'est magnifique ainsi que l'accueil et qu'on est très content. J'entends beaucoup parler de ça, de la sécurité dans ce secteur du Sahara, etc. Mais je trouve que c'est une population très accueillante, très chaleureuse. On se sent vraiment en sécurité. Il n'y a aucun souci particulier dans cette partie du territoire algérien. يعتقد هؤلاء أن الصحراء الجزائرية مكسب سياحي هام يجب الاستثمار فيه في ظل توفر عامل الأمن. En fait, je suis venu pour découvrir mon pays, surtout le côté de désert, le Sahara de notre pays qui est magnifique, qui est très très riche dans tous les domaines et en particulier la ville de Timimoun qui a été une ville touristique. On aimerait découvrir et faire découvrir à nos enfants qui vivent à l'étranger et en même temps le faire découvrir aux touristes étrangers. قد تكون بعض الأوساط نجحت في ترسيخ صورة سوداوية عن المنطقة ككل، لكن الوضع في الجزائر مغاير تماماً.